après avoir croisé le gratin de la musique. Comme l'adjoint à la culture de la ville de Roquebourgoin-sur-Chavroux, nous sommes de retour. Eh bien, écoute, oui, c'est la première fois que je travaille dans une ambiance à Scopitone, enfin, dans l'esprit Scopitone. Et je découvre, c'est amusant, j'ai l'impression d'être Gainsbourg. Ça se peut, ça? Non, c'est exagéré. J'ai l'impression que Gainsbourg a vécu ça. Déjà, les vieux Scopitone, ça me fait marrer. Enfin, je trouve ça, j'adore tout ce qui est un peu désuet. Et donc j'aime bien. Et puis non, je trouve que c'est une super idée de reprendre ça justement, de remettre ça au goût du jour, je trouve ça bien. Ouais. Tout est un peu naturel, c'est un peu moins joué, on n'a pas bossé sur le scénar pendant des mois. Tout est instinctif en fait, ça marche ou ça marche pas, on refait ou on refait pas, mais tout ce qui se passe, c'est vrai. Ça refait une petite dernière. Ouais. Et bien franchement, l'ambiance avant le tournage était extrêmement bonne, dans la mesure où il y avait plein d'amis qui étaient là, ça faisait plaisir de les voir, ils avaient l'air contents d'être là, donc c'était chouette. Effectivement, c'est un peu déstabilisant de travailler sans filet, comme ça, sans avoir trop préparé. C'est pas que ce soit déstabilisant, c'est que je m'étais fait une idée du truc, et que cette idée s'est délitée au fur et à mesure du tournage, et puis c'est bien, il faut lâcher prise, et puis laisser faire, il y a un réalisateur, il sait ce qu'il fait, et en tout cas il avait l'air de savoir à peu près où il voulait aller. Faisons-lui confiance, donnons-lui les clés de la voiture et voyons s'il nous emmène à bon port. Bah, c'était un peu speed. L'ambiance du tournage, ouais, c'était un peu speed. Bon, les idées, on a proposé des choses, David aussi. Et puis, ouais, je pense que ça devrait être chouette. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, fort sympathique d'abord, une ambiance. Est convivial et puis c'est constructif, on peut un petit peu confronter nos idées, tout n'est pas arrêté. David, tu peux essayer la perruque ou pas? Essayer la perruque, ouais. Moi, je trouve ça vachement intéressant parce que déjà, je trouve qu'il y a une spontanéité qui va avec, qui est intéressante. Et puis surtout que bah, ça, on pourra repas pendant des heures. Pour attendre que ce soit fini, vu qu'il faut que tout soit fait assez vite, donc c'est plutôt agréable, ouais. Moi j'aime bien travailler vite, j'aime bien. C'est bien, moi j'aime bien travailler un peu dans l'urgence, et on est tous bien meilleurs dans l'urgence, j'ai l'impression. C'est parti. Nous sommes de retour, et en plus on est contents. Alors le fait de chanter au playback, moi je trouve pas du tout ça désuet ni ringard. Je trouve que ça dépend du concept de la chanson, et je trouve qu'il y en a que ça marche très bien. Donc non, je suis pas ça du tout dépassé de chanter en playback. Il y a pas de prise de tête en fait. C'est pas, enfin il y a pas de oh là là comment on va faire, on avait prévu ça. Comme il y a rien qui est vraiment prévu, que c'est, enfin il y a la trame qui est prévue, mais il y a vachement de choses qui se font sur le moment. C'est fait à la cool quoi. Et en plus on est